salut, salut, ré-salut à tous les Ivoiriens. Salut à toutes les Ivoiriennes. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et amis de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, à quoi ça sert une vidéo de Johnny Pacheco s'il n'est pas vous présenter les preuves existentielles? À quoi ça sert? Je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Si je ne peux pas vous présenter les preuves apparentes, bon, on fait la vidéo là, pourquoi? Moi, je n'ai pas que ça à faire. Je vous ai dit que madame et moi, on a été invités à un événement et on doit s'y rendre tout à l'heure. Donc, je ne me suis pas habillé pour la vidéo, mais je me suis habillé par rapport à l'événement. Donc, quand j'ai fini là, on continue en même temps. Voilà pourquoi j'ai allumé deux ventilateurs, question de ne même pas transpirer. Vous comprenez? Non, les vidéos, non seulement, ça me fait payer plus de factures quand j'ai fait les vidéos. On est d'accord, non? Donc, permettez-moi très rapidement de finir cette vidéo-là et chacun pourra vaquer à ses occupations. Mais je profite ici de cette vidéo-là pour vous souhaiter un excellent week-end. Alors, chers camarades ivoiriens, chers frères ivoiriens, autant pour moi, qui résidez en Côte d'Ivoire, chers frères ivoiriens de la diaspora, je suis votre frère, ami et camarade, Koukounion Christ Yvan, que vous connaissez sur la toile sous le sobriquet de Johnny Pacheco. Alors, chers camarades, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour qu'on discute ensemble, pour qu'on déblatère des questions qui touchent nos communautés. Voilà. Et des questions, bien entendu, sociétal, parce que aujourd'hui nous aspirons tous à vivre dans un environnement sain, un cadre décent, de façon à ce que effectivement le développement là soit à notre portée. Donc c'est toujours un plaisir pour nous ici en tant que jeunesse africaine de se retrouver, de réfléchir bien entendu sur ces questions là. J'aurais souhaité qu'on discute sur les questions environnementales, mais malheureusement Assimi Goïta veut nous envoyer dans d'autres débats. Alors, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, sous l'arbre à palabre, c'est la question de nos 49 soldats. Alors, je vous demande humblement de me permettre de finir ce direct-là, qui ne sera pas long, et puis après, chacun pourra vaquer à son occupation. Donc, il faut m'appeler très rapidement M. Aimé Zébié, qui n'est pas son nom à l'état civil. C'est Aimé Meledj Adjoukrou de Dabou, grand PDCiste devant l'Éternel. Donc il faut l'appeler. On va parler tout à l'heure, chers camarades, parce que je ne savais pas que c'était un ancien camarade, parce qu'il a été à Memos là. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais pour l'heure, j'aimerais dire à Assimi Goïta, tu sais, nous, ça nous gêne, nous jeunesse ivoirienne, ça nous gêne de venir même nous asseoir pour parler d'Assimi Goïta, parce que Assimi Goïta n'est comparable à aucun Ivoirien. Parce que les Ivoiriens se respectent. Les Ivoiriens sont civilisés. Les Ivoiriens sont respectueux de leurs lois. Et aucun Ivoirien en ce 21e siècle ne peut cautionner la prise de pouvoir par les armes. Celui qui le fait, il n'est pas Ivoirien. On doit revoir encore ses origines. Il n'est pas Ivoirien. Parce qu'un véritable Ivoirien ne peut pas cautionner la prise de pouvoir par les armes. Alors aujourd'hui, malheureusement, ce peuple frère, ce peuple ami, avec qui on a scellé des liens depuis des lustres, alors ce peuple-là est retenu en captivité par un individu, un rebelle, un djihadiste, qu'on appelle Assimi Goïta, qui veut rentrer dans l'histoire, qui s'efforce à rentrer dans l'histoire, mais il ne rentrera jamais dans l'histoire. Parce que ses méthodes peu orthodoxe, ces pratiques immondes, ces pratiques pas catholiques du tout, mais lui disent clairement qu'il ne rentrera jamais dans l'histoire. Il veut se créer un nom avec des discours populistes, avec des discours propagandistes, alors qu'en réalité, il est un homme vide, il est un homme creux, un instrument de Vladimir Poutine, un instrument que la Russie utilise pour régler ses comptes avec l'Occident. Et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, Assimi Goïta se permet
de déclarer la guerre à la France. Il ne déclare pas ça directement, mais il dit que désormais, vu que la France a quitté son territoire, si la France viole son espace aérien, lui Assimi Goïta, il fera la guerre, il va attaquer les avions français, il va attaquer la France. Toi-même là, une guerre aérienne et la France, tu peux l'amener. Tes pilotes, tes soldats maliens qui sont formés chez nous en Côte d'Ivoire, là, parce que nous on vous forme. Tu n'es même pas capable de former tes propres soldats. Vos soldats sont formés en Côte d'Ivoire, à Samakro, pour parler avec exactitude. Ils sont formés à Samakro. Toi, tu as nous dit que toi, tu peux faire l'armée. Tu peux engager une guerre aérienne avec la France. Même la Côte d'Ivoire qui a plus de moyens. Même le GATL qui est plus opérationnel que votre unité d'intervention aérienne, ce GATL-là ne peut pas engager de guerre avec la France. Tu es d'un rêve utopique. Tu es d'un monde pittoresque. Parce que si on n'a pas bu Koutoukou et Gbelé, mélangé à whisky, on ne peut pas tenir de tels propos morbides. Parce qu'on a comme l'impression que Assimi Goïta était va en guerre. Voilà quelqu'un qui est suicidaire. Voilà, tu veux te suicider ou quoi? Tu peux engager la guerre avec une puissance militaire. La France est une puissance. La France est une puissance. Même Poutine, là, il ne peut pas attaquer la France. La France a l'arme nucléaire. Toi, tu as l'arme nucléaire. Toi, tu peux faire la guerre à la France. Tu comptes sur quoi pour faire la guerre à la France? Il faut dire, faut nous répondre objectivement. Tu comptes sur quoi pour faire la guerre avec la France? S'il n'y a pas quelqu'un derrière qui te manipule, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'instrumentalise, ça veut dire en clair que Vladimir Poutine a trouvé sa vache à lait, qui est Assimi Goïta, à qui il vend des armes. Parce qu'il faut alimenter, en tout cas, des foyers de tension. Il faut les arroser avec de l'eau, avec la propagande, les discours de haine, pour que Assimi Goïta continue de payer des armes à la Russie. Pour que l'économie russe ne chavire pas, ne s'effondre pas. Voilà la réalité. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est en difficulté. Et moi, je pensais qu'Assimi Goïta était plus intelligent que ça. Mais il m'a montré qu'il est d'une bassesse inouïe, une bassesse qui ne dit pas son nom, une petitesse d'esprit. Tu nous le montres aujourd'hui. Parce que tu as quel moyen pour faire la guerre avec la France? Il n'y a aucun pays en Afrique, même le Maroc, ne peut pas faire de guerre avec la France. Toi, tu peux faire la guerre avec la France. Même à la Côte d'Ivoire, tout près là, tu ne peux pas faire de guerre. C'est contre la France que là, tu peux faire la guerre. Donc, voilà quoi tu utilises aujourd'hui pour que les territoires africains servent de bastion pour la troisième guerre mondiale que Poutine veut engager coûte que coûte. Parce qu'il a mal. Il veut engager cette guerre. Alors, pourquoi engager la guerre en Europe? Parce qu'ils ont pris des années pour reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris des années pour reconstruire l'Europe. Alors, les Africains, voilà, c'est les gens qui sont là, leur vie n'est pas importante. Donc, allons là-bas faire la guerre. Même s'ils meurent, ce n'est pas notre territoire. C'est eux qui ont reconstruit leurs États. Et il y a un individu qui ne réfléchit pas assez, qui a une réflexion assez limitée, qui s'appelle Assimi Goïta. On peut passer par lui, il peut faire l'affaire. Et donc, c'est lui qui tient les discours haineux. Tantôt, il menace l'ONU, il menace la France, il menace l'Allemagne, il menace le président Ouattara, il menace tout le monde. Toi seul, tu fais la guerre à tout le monde. Toi, tu peux faire la guerre à tout le monde. Donc, il faut réfléchir, même si tu es un rebelle. Même si tu es un rebelle, que les rebelles, généralement, ne savent pas réfléchir, mais il faut réfléchir. Et j'aimerais ici dire au peuple malien que nous, on n'a pas de problème particulier avec vous. On n'a pas de problème. Même avec Assimi Goïta, on a un problème avec ses méthodes. Sa manière de venir au pouvoir. Parce que demain, quand nos enfants vont regarder la télévision et ils vont voir Assimi Goïta, ils demanderont, papa, quel est son parcours, ce monsieur? Parce que j'aimerais ressembler à cet homme-là qui est en tenue militaire là-bas. Là. Mais quel est son parcours, papa? Ah, mon fils, il y avait un président qui était démocratiquement élu, il s'appelait Ibeka. Ce monsieur que tu vois entre là, il a pris Kalash et Roquette pour venir bombarder Ibeka pour l'enlever. Donc aujourd'hui, là, il a été établi par la force. Ce n'est pas les Maliens qui l'ont porté à la tête du Mali. Donc, comment on peut dire ça à nos enfants? De vous à moi. Donc, nous, on n'a pas envie de choquer nos enfants. On n'a pas envie de les traumatiser. On a envie de contribuer à leur éducation. Vous comprenez? Alors, Assimi Goïta n'est pas un modèle pour nos enfants. Assimi Goïta est au contraire un cancer pour nos enfants. Un mal pour l'Afrique. On est d'accord?
Alors, chers camarades, aujourd'hui, voici des gens qui disent qu'ils sont panafricains. Ta femme et tes enfants vivent en Occident. Et en France, laquelle France que tu combats? La France que tu dis combattre là, ta femme et, ton et tes enfants vivent en France. Mais comment on peut expliquer ça? Il n'y a pas de place au Mali pour ta famille? N'y a-t-il pas de place au Mali pour ta famille? Tes enfants sont scolarisés en France. Mais pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Et même des Français t'interpellent dessus. Pour dire que tu parles de nous. Mais c'est parce que nous, on est humains. Et qu'on confère à tout le monde le droit à la vie et à la liberté. Voilà pourquoi ils sont ici qu'on ne parle pas. Parce qu'ils ont le droit de vivre ici. Tu comprends? Mais ils sont là-bas, tu devrais avoir honte. Et aujourd'hui, ton premier ministre, Sogan Maïga, il a piqué une crise d'AVC. Il a piqué une crise d'AVC. Où il était pas? Ça fait le quatrième jour aujourd'hui qu'il a piqué une crise d'AVC. Mais malheureusement, tu n'en parles pas au peuple malien. Il faut en parler au peuple malien. Parce que quand on vient tenir des discours guerriers, tu ne vois pas que c'est là des signes? Vous ne comprenez pas que c'est des signes que la nature vous parle? Que la nature vous parle. Ton premier ministre vient de faire un AVC. Et là, tu es dans l'embarras du choix. Tu ne sais pas s'il faut l'envoyer en France. Parce que tellement que tu es foncièrement méchant et que ta moralité elle est décousue, tu penses que si tu l'envoies en France, les Français vont l'achever. Non. Les médecins, là, ils ont prêté serment pour sauver des vies. Tu comprends? Il y a des présidents africains qui sont venus se faire soigner en Europe. Jamais un médecin va te tuer. Jamais. Ils ont prêté serment pour sauver des vies. Donc si tu penses que Sogan Maïga là, doit aller en France pour des soins, mais envoie-le en France. Ali Bongo a piqué une crise. Pourquoi on ne l'a pas achevé quand il est venu se faire soigner en Occident? Les gens auraient pu l'achever. On aurait pu l'achever, ils ne l'ont pas achevé. Donc tu vois, ton pays est limité. Ton pays est sous-développé. Et au lieu de penser ne serait-ce qu'à construire des hôpitaux ou même à les rénover, toi tu passes ton temps à payer des avions au temps de Louis de Funès et de Simon Templar et Fantomas pour venir en tout cas choquer la conscience collective. Pourquoi? Parce que tu prépares la guerre. Tu prépares la guerre pourquoi? De quelle guerre tu parles, frère? Je veux savoir. Et puis regarde, les djihadistes qui ont pris le Mali, ces djihadistes-là, dis-nous objectivement, en toute sincérité, quelle est la différence entre toi et ces djihadistes-là? Il y a quelle différence? Et aujourd'hui, ils ont pris ils prennent les armes, ils viennent semer la désolation dans le Mali, la chienlit, la psychose, pour imposer les charia. Toi aussi, tu l'as fait hier pour enlever Ibeka. Tu as pris des armes, tu es venu imposer ta chienlit, la charia, et puis tu as pris le pouvoir. On est d'accord ou pas? Donc, j'aimerais te dire, frère, quelle est la différence entre toi et ces djihadistes? Voilà pourquoi on te dit que on ne te doit aucun respect, nous, peuple de Côte d'Ivoire, et nous, peuple africain. Et si nous, on continue de parler de cette question du Mali, c'est parce que tu continues de retenir en captivité, injustement, parce qu'il faut le préciser, c'est injustement, des soldats qui était en tout cas dévoué à travailler pour ta cause, à aider ce peuple frère, ce peuple malien, avec qui nous avons des alliances, pour débarrasser le pays de ces djihadistes-là. Même si toi aussi tu es un djihadiste. Mais on l'a fait pourquoi? Parce que nous avons des partenariats avec le Mali, depuis Oufouébani, depuis les indépendances. Et le père Alassane Ouattara, marchant dans les pas du président Félix Oufouébani, ce grand visionneur, ce grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara, dès les premières heures, avant même l'arrivée de l'ONU dans ton pays, le président Ouattara a envoyé premièrement des troupes chez vous là-bas. La Côte d'Ivoire s'est investie avant même que l'ONU s'implique au Mali. La Côte d'Ivoire s'est investie. Donc quelqu'un qui te veut du mal, quelqu'un qui te veut la mort, un monsieur, il n'envoie pas les troupes, il laisse l'ONU s'en occuper. Mais avant que l'ONU arrive à la salle Ouattara, avait déjà envoyé des gens au Mali. Et ça, tu ne peux pas le dénier, tu ne peux pas dire que c'est fou. On est d'accord? Alors, frère, nos soldats sont allés au Mali, tu étais informé
qu'ils arrivaient au Mali. Parce qu'il n'y a aucun avion qui peut décoller de la Finlande pour aller à Paris sans que Paris ne soit au courant que l'avion là arrive. Parce que quand l'avion arrive là, il faut qu'on lui trouve une piste d'atterrissage. Sinon, il va venir écraser tous les autres avions là. S'il y a les avions sur le tarmac, il faut qu'on débarrasse ces avions là pour que lui puisse atterrir pour ne pas qu'il y ait des crashs. Voilà la réalité. Donc, ça veut dire, quand l'avion a décollé d'Abidjan, Bamako a été informé que l'avion venait. Sinon, l'avion là, en atterrissant, il allait crasher les autres avions. Si un avion quitte Abidjan pour aller à Paris, la nuit là, Paris est informé. Donc, Paris sait à quelle heure il doit atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, à cette heure-là, on s'arrange à ce qu'il n'y ait aucun avion sur le tarmac de façon à ce qu'il puisse atterrir. Et on met un décalage entre les avions, entre l'atterrissage des avions. Un atterrit, on laisse 20 minutes et puis après l'autre atterrit. On ne fait pas atterrir ensemble. Donc frère, tu ne peux pas nous tromper. Tu ne peux pas nous tromper. L'État malien était bel et bien avisé, informé de ce que nos soldats arrivaient sur leur territoire. Il n'y a aucun militaire à Assimi Goïta. Quand toi tu vas pour lutter contre les djihadistes là, vous partez à visage découvert? Non, vous menez des embuscades. Vous ne partez pas dans le territoire djihadiste pour dire, je suis Assimi Goïta, je suis l'armée malienne, c'est la MINUSMA, on est venu vous tuer. Non, vous menez des embuscades. Vous posez des embuscades de façon à ce que l'ennemi tombe dedans et puis on prend l'ennemi. C'est pas ça. Un militaire, il ne vient jamais de façon, c'est-à-dire non voilée. C'est pas possible. Un militaire, il mène un combat pour arriver. Un militaire, il supplie l'adversaire. Mais est-ce que nos militaires qui sont arrivés vous ont surpris? Ils ne vous ont pas surpris. Ils sont venus avec leur arsenal. Ils sont allés à l'immigration pour se faire identifier, pour vous dire qu'on est sur le territoire malien. Tu appelles ça là des mercenaires. Si c'est des mercenaires, c'est que celui qui l'a engagé, c'est l'État malien. Parce qu'il y a un mercenariat, quand c'est l'État là, malien là, qui t'engage. Mais l'État malien, on ne nous a pas montré les personnes ressources dans l'État malien qui ont engagé ces mercenaires ivoiriens là, on ne nous la montre pas et on veut nous faire avaler cette pilule là qui est de, comment on appelle ça, qui est plus grande que notre gorge. Mais on va s'étouffer. On va s'étouffer. Même mourir si on veut avaler cette pilule là. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire encore, ces soldats n'ont eu droit à aucun jugement équitable. Ils n'ont pas eu droit à une assistance judiciaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avocat pour eux. Donc, ils n'ont pas été entendus par les avocats. On n'a pas constitué l'infraction. On ne nous a pas présenté ce qu'ils ont fait. Et on les a condamnés. Pourquoi? Parce que le concert de Mariama Ba a été annulé en Côte d'Ivoire. Mais Assimi Goïta, tu ne peux pas les tenir en captivité. Donc, frère d'âme, moi, mes frères d'âme, parce que je suis un militaire. Et puis, toi, tu as me demandé d'aller danser au pays de la culture. Et aller danser au pays de la culture, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a envie de danser. Mes parents sont en prison. Nos militaires sont en prison et toi tu veux que nous on parle dans ce pays de la culture. Ce que tu ne veux pas accepter là, faut pas nous l'imposer, faut pas nous le demander. Faut renverser la tendance. Tu allais accepter ça si c'était un militaire ou un artiste ivoirien qui allait faire un concert chez toi alors qu'on a retenu en captivité tes soldats. Tu allais accepter ça? Jamais. Donc tu agis sur le coup de l'émotion. Il est encore temps de te ressaisir. Ne laisse pas Vladimir Poutine t'entraîner dans sa sale guerre. Faut pas les laisser t'entraîner dans sa sale guerre. Faudrait pas que le territoire africain serve de théâtre d'opération pour la troisième guerre mondiale. Nos enfants ont besoin d'éducation, de paix, de santé, d'harmonie. Et on veut pas que Assimi Goïta vienne perturber cela. On est d'accord? Alors aujourd'hui, voilà la situation. Tragique. Ton premier ministre a piqué une crise d'AVC il y a 4 jours. Que fait-on? Mais envoie-le en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il va rien te faire. Ils vont les soigner. Parce que tu es incapable de les soigner. On t'a donné du courant gratuitement. Tu nous dois 200 milliards. Parce que le courant qu'on te donne, tu ne payes pas. La Côte d'Ivoire te donne le courant chez toi là-bas, mais tu ne payes pas. On te donne le carburant. Aujourd'hui, tu fonctionnes le groupe électrogène. Tu vois comment c'est malheureux. Mais on n'a pas envie de faire souffrir les Maliens. On n'a pas envie que les Maliens souffrent. Au contraire, on veut que les Maliens profitent des richesses de la Côte d'Ivoire. On veut que le développement de la Côte d'Ivoire mais serve de modèle aux Maliens pour qu'eux aussi nous accompagnent dans leur développement. On veut que notre développement contamine le Mali.
Mais à cause de toi, regarde aujourd'hui nos rapports avec le Mali. Tu vois un peu, frère, il faut te revoir. Nos soldats, si tu les libères, ça ne fera pas de toi un homme faible. On ne dira pas qu'Assimi est faible. Au contraire, tu auras marqué là un grand pas. On aura vu la grandeur de l'homme. On aura vu que l'homme est sage. Voilà la réalité. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quelle colère t'anime pour que tu te comportes comme une personne qui ne sait même pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, mais il y a longtemps, depuis la création de l'Afrique, elle fait frontière avec le Mali. C'est ça la réalité. Donc frère, tu veux qu'on te respecte? Tu veux qu'on t'accorde ne serait-ce qu'un minimum de respect? Malgré ton statut de rebelle, libère nos frères et tu verras que même dans ta question du Mali, avec tes plans suicidaires, nous on ne parlera pas. On va s'occuper de notre pays. Parce qu'on a beaucoup de choses à régler aussi dans notre pays. On a trop de choses à régler dans notre pays. Tu comprends ce que je vais te dire? Alors, j'aimerais dire, chers camarades, il faut me préciser à chaque fois, ça fait combien de temps que je suis en ligne. Alors, M. Aimé Zébié, de son vrai nom, Meledj Aimé, qui est un adjoukrou de Dabou, on a tous souvenance que pendant la désobéissance civile, Dabou a été une ville qui a servi de canal à Guillaume Soro et ses acolytes pour créer des tensions en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu passer par Dabou pour renverser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais à l'époque, on leur a fait comprendre que la Côte d'Ivoire, là, c'est beaucoup de villes. Dabou ne représentait rien en Côte d'Ivoire. Dabou était une localité de la Côte d'Ivoire. On leur a fait comprendre ça. Donc si Dabou veut, Dabou n'a qu'à se lever, nous on s'en fout. On s'en fout aujourd'hui et on s'en fout demain. Alors ce mélange-là, il vient de Dabou. Et son appartenance politique, c'était un badaud, un loubar à la solde du PDCI, qui était logé à la cité Memos à l'époque, avec le général Mewé, avec le Melio, ils étaient à la cité Memos, et le Gueye-Paul. Je ne sais pas s'il a connu Gueye-Paul parce qu'il n'était rien à la fessie, anyway. Mais ce mélange-là, qui s'est fait appeler Aimé Zébié, il a un frère qui est policier. Ton frère qui est policier, il a sa photo ici. Mais c'est un frère d'âme, moi je n'ai pas de problème particulier lui. Si ton frère policier était retenu aujourd'hui, au Mali, aurais-tu arraché le micro à Debodo Likoufa? Frère, tu n'es pas un patriote. Tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara et tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Mais ce que je vais te dire, on ne te demande pas d'aimer le président de la République, mais on te demande d'être patriote. On te demande de conjuguer le patriotisme. Mais toi, tu as conjugué la haine. Tu nous as montré en réalité que la Côte d'Ivoire pouvait brûler. Tant que ton frère n'était pas parmi les 49 militaires, toi, tu t'en foutais éperdument. Et c'est dommage, cette manière de réfléchir. Un homme qui, dit-on, a été décoré par le ministère de la Culture. Mais c'est aberrant. J'aimerais te le dire. Alors, tu as une honte pour la Côte d'Ivoire, frère. Tu as une honte pour la Côte d'Ivoire. Tu as une désolation pour ta propre famille. Tu as une désolation pour ton entourage. Tu as une désolation pour ton quartier. Et tu as une désolation pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est ça la réalité. Tu as compris? Nous, nous sommes patriotes. Nous aimons notre patrie. Nous aimons notre pays. Voilà pourquoi, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, et qu'on ne comprenait rien du tout à cette question-là, et que Laurent Gbagbo utilisait les médias d'État pour nous endoctriner, pour nous expliquer qu'on avait été attaqué injustement, sans réfléchir, on était dans les rues, parce qu'il s'agissait de la Côte d'Ivoire. Alors frère, toi qui sponsorise des gens dont je n'ai même pas envie de parler, parce que je suis plus star que ces gens-là, je ne parlerai même pas de parce que c'est faire la promotion gratuite. Une publicité gratuite. Des gens crasseux à qui je ne ressens pas. Toi qui fais la promotion, j'aimerais te dire, mais au Mali là, c'est des militaires ivoiriens qui ont été bafouillés. C'est le Mali qui a piétiné notre nation. Le Mali qui a embastillé notre population. Mais aujourd'hui, quel est ton comportement? Quelle est ta tenue? Tu t'en vas arracher le micro à Debodo. Qu'est-ce que Debodo a dit de si grave, de façon à t'irriter? Qu'est-ce que Debodo a dit de si grave, de façon à te faire sortir de tes gongs pour que tu viennes lui arracher le micro? Et tu demandes à ce que sa prestation soit suspendue, juste et net. Frère, tu nous as démontré que tu es un ennemi de la République. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire et désormais les Ivoiriens vont te regarder avec beaucoup de méfiance parce que tu n'es pas un homme de confiance. Voilà, vous êtes des patriotes alimentaires, des patriotes circonstanciels,
des patriotes qui sont patriotes lorsque leurs leaders politiques sont au pouvoir. Mais dès l'instant que leur leader politique n'est plus au pouvoir, ils ne sont plus patriotes. Et c'est grave cette manière de réfléchir, cette manière d'aimer la Côte d'Ivoire et cette manière de conjuguer le patriotisme. Alors j'aimerais te dire que tu es vraiment petit d'esprit. Tu es vraiment, je ne veux pas dire calamité pour la Côte d'Ivoire, mais franchement, tu nous dégoûtes. Tes pratiques, tes agissements nous dégoûtent. Tu comprends ou pas? Je vais te présenter une vidéo similaire. Une vidéo similaire. Alpha Blondy, Jagger, un artiste interplanétaire. Je ne parle pas de tes plaisantins là. Je te parle d'Alpha Blondy, un artiste interplanétaire. Alpha Blondy, en plein concert, a abordé la même question. Mais tu vas voir si quelqu'un est venu arracher le micro à Alpha Blondy. Alpha Blondy a attaqué l'ONU. Il a attaqué l'ONU. Il a dit pire. Mais il n'y a personne qui est venu arracher le micro à Alpha Blondy. On est d'accord? La dernière fois, il avait présenté son concert à Paris-Bercy, où il a parlé de peace in Liberia, paix au Liberia, paix, tu ne comprends pas anglais. Mais cette fois-ci, c'est un autre concert. Mais il tient encore les mêmes propos. Parce que l'artiste, à travers son art, par ses chansons, pendant ses prestations, peut marquer un break, c'est-à-dire une pause, voilà, et puis véhiculer un message d'union, un message de paix, un message pour sensibiliser. Donc, voilà ce qu'Alpha Blondy a fait. Alors, chers camarades, on va écouter Alpha Blondy très rapidement, et après, je poursuis mon allocution. Suivez Alpha Blondy. Mes frères, mes soeurs, c'est la troisième guerre mondiale. Elle ne ressemble pas aux deux précédentes. Les marchands d'armes sont en train de se battre. Et nous, les gars, on est là. Peut-être les forêts, sont en train d'être ça là. Ils vont venir nous impliquer un à un. C'est quoi qu'on dit, les fâchés? Ramène mon gars. Sinon, quoi? À combien les accords militaires entre la France et la Côte d'Ivoire? C'est l'occasion. Alors, on dit mercenaire, Wagner. Brusquement, militaire ivoirien, mercenaire. C'est suspect. C'est suspect. Alors, ça là, l'OTAN est déjà au Mali. Ça est dans la MINUSCA. L'ONU, ils sont au Congo, la guerre est finie. Ils sont en Somalie, la guerre est finie. Ils sont où encore? Au Maroc, la guerre est finie. Parce qu'ils sont financés par les marchands d'armes. Hein? Non, on dit que la vie est chère. On doit acheter du bleu là-bas. Hein, du gay ici. Gamama. Quand les couteaux se battent, parce qu'ils sont en train de vouloir mettre la tête dedans. J'ai entendu le président ukrainien là. Oui, la Russie est en train de vous blaguer. Et quoi d'autre vous blaguez aussi? Les soeurs, les soeurs, on nous a paralysé. On nous a divisé. Le même plat ils ont fait pour nous bloquer avant-hier. C'est le même cata. Alors, je voudrais m'adresser à mon frère, à Sémi Goïta. Mon frère, pardon, demande pardon. Il ne faut pas faire le jeu qu'on veut te faire faire. Ce serait erreur de Gawa. Il faut libérer nos soldats. Voilà. Il faut libérer. Mais là, on a vu des blancs applaudir. Il a attaqué l'ONU, il a attaqué la France, il a attaqué la Russie. Il y a plus dangereux que ça là. Mais vous avez vu quelqu'un venir parler, même ces pianistes là, le guitariste, etc. Mais c'est les Européens, c'est eux qui sont à Alpha Blondy. Mais ils sont là et puis ils parlent aussi. Quelqu'un lui a lâché le micro. Il n'y a personne qui lui a lâché le micro. Un artiste, c'est ça. On ne parle pas des patriotes de circonstances. On ne parle pas des patriotes alimentaires. Tu comprends? Meledge Aimé, dit Aimé Zébier. Voilà Alpha Blondy.
Je vais te montrer quelque chose encore. Ici, là, on va en Côte d'Ivoire, sur cette vidéo-là. Les amoureux de la Côte d'Ivoire ici, faites du bruit. En tout cas, si vous êtes vraiment amoureux de la Côte d'Ivoire comme moi, il faut qu'on dise certaines vérités. Parce que là, il y a toutes les caméras qui sont là. Tout est devenu cher au pays. Tout est devenu cher. Au marché, ça est devenu cher. Même pas qu'on fout en moi. Voilà. Frère, toutes les autorités étaient assises. Le président de la République regardait. Tout le monde était là. Tu as vu quelqu'un venir lui arracher un micro? Pourtant, on pouvait lui arracher le micro. N'est-ce pas? Est-ce que tu as vu quelqu'un venir arracher un micro à Baby Philippe? Mais, frère, Debordeaux, Baby Philippe. Debordeaux, c'est une icône. Debordeaux a commencé à chanter avant Baby Philippe. Quand Debordeaux chantait, lui, il était arrangeur. Les Ivoiriens ont connu Debordeaux avant de connaître Baby Philippe. Tu as manqué de respect à une icône. Debordeaux, ce n'est pas ton camarade, frère. Ce n'est pas ton ami. Tu as compris? C'est les Ivoiriens là qui ne sont pas, excusez-moi, intelligents. Voilà pourquoi ils continuent de pointer les artistes de la main gauche et ils font la promotion des artistes qui viennent de l'étranger. Ils préfèrent aller donner de l'argent au Fally Ipupa, au Siriki Diabaté, mais ils boycottent leurs propres artistes. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est un fait. Sinon, Debordeaux, c'est une icône. C'est nous, on devrait le pousser. Oh, pour hisser le drapeau ivoirien. Vous comprenez? Debordeaux, c'est pas ton camarade. C'est le Debordeaux qu'on chantait Baby Philippe. C'est le Debordeaux qu'on chantait Serge Benoît, l'arrangeur Pointinini. Et puis nous, on a commencé à connaître Serge Benoît. Tu as compris ou pas? C'est pas ton ami. Faut le respecter. De Bordeaux là, de la manière à respect Yorobol là. C'est comme ça qu'il faut le respecter aussi. Parce que lui et Yorobol là, ils ont commencé ensemble. Et donc lui va parler. Toi tu avais lui manqué de respect devant son public. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu t'es trop considéré toi. Quoi, aimé Zébier. Tu es qui? Tu représentes quoi en Côte d'Ivoire? Tu représentes qui en Côte d'Ivoire? Et puis De Bordeaux ne peut pas parler. Tu es qui toi? Même Baby Philippe parle. C'est De Bordeaux qui ne peut pas parler. Lorsqu'il s'agit des soldats ivoiriens qui sont retenus en captivité par Assimi Goïta, le rebelle, nous, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de crier notre indignation de ce sujet. Tu es sérieux, toi? Tu es sérieux? Et je vois les gens qui t'accompagnent dans la bêtise, mais ce n'est pas des patriotes. Et je vous dis une chose. Tout ce qu'on fait dans la vie, on paye. Tout ce qu'on fait dans la vie, là, on paye. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara aujourd'hui? Mais c'est Ado qui est là. Mais, chers camarades, même si Ado n'était pas là, que c'était un autre président, et que l'armée de Côte d'Ivoire subissait le même sort, on allait sortir ici pour donner de la voix, parce qu'il s'agit de notre pays. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Que aujourd'hui, là, c'est le moment de conjuguer l'unité, la fraternité autour du président de la République. Ça, c'est quel genre de peuple, ça, là? Et puis, vous voulez qu'on vous respecte du dehors? Mais si les Maliens ne vous respectent pas, c'est parce que on a des gens comme les Mamadou Koulibaly. Des gens du PPACI qui derrière alimentent des foyers de tension au Mali, qui consolident Assimi Goïta dans sa position. C'est ça un État? Parce qu'on n'aime pas Alassane Ouattara? C'est pas lui qui vous a demandé de mal gérer le pouvoir? C'est pas lui qui vous a demandé d'envoyer les déchets toxiques en Côte d'Ivoire? Vous avez compris? Vous n'avez pas honte. Mais tout ce qu'on fait sur la terre, on paye. Il faut comprendre ça. J'aimerais vous le dire ici. Quant à Guillaume Soro, mais c'était le moment de rentrer dans l'histoire. C'était le moment idéal, rêvé, pour rentrer dans l'histoire. Parce que, aujourd'hui, là, on sait que tu es le papa de la mutinerie en Côte d'Ivoire. Mais c'était le moment de confondre le président de la République. On est d'accord? Pour dire à Assimi, libère nos soldats. Et puis on leur dit, ah, malgré que Guillaume, là, on dit qu'il veut faire coup d'état, là. Ah, lui-même, là, il appelle à la libération de nos soldats. C'est que Guillaume, là, il est patriote. Ah, c'est que Guillaume là, peut-être que ce qu'on dit de lui là, vraiment, est-ce que c'est vrai? Est-ce que? Mais en réalité, tu nous as montré que tu es un pelliqueux. En réalité, tu nous as montré que tu n'es pas patriote et que tu n'es même pas ivoirien. Parce que, regarde tes agissements. Regarde les agissements de tes conseillers qui vont au Mali, qui insultent le président Ouattara sur toutes les plateformes à la télé malienne.
Et toi, tu es incapable de donner de la voix pour ton pays. Tu n'as pas honte. Des hommes politiques qui sont incapables de dissocier la politique et leurs problèmes personnels. De dissocier la politique avec la haine. Tu es un haineux, petit. Tu es un haineux. Et c'est dommage. Voilà les gens qui disent qu'ils aspirent à diriger la Côte d'Ivoire. C'est lamentable. C'est pitoyable. Vous comprenez? Chers camarades, je le dis ici, à qui veut l'entendre. Quand on est en politique, il faut savoir faire la part des choses. Quand il s'agit de la patrie, même les républicains et les démocrates aux États-Unis, ce grand pays-là, qui a seulement deux partis politiques, les républicains et les démocrates, quand il s'agit des intérêts des États-Unis à l'étranger, ils sont tous unanimes. Ils font un bloc quand il s'agit des questions des États-Unis à l'étranger. Mais si c'est des questions au sein des États-Unis, là, les questions politiques internes, là, chacun donne son point de vue. Mais dehors, là, on est ensemble et puis on s'en va. Voilà la réalité. Mais vous êtes des lâches, vous êtes des hypocrites. Et moi, j'aime pas les lâches et j'aime pas les hypocrites. Donc toi, Ahmed Zébé, tu es un lâche et Guillaume Soulet est un lâche aussi. Vous êtes tous des lâches. Et je le dis ici, avec conviction, avec fierté. Vous allez parler de Côte d'Ivoire. Vous allez derrière les Ivoiriens comment demain. Lui, Guillaume Soleil, va s'arrêter devant les Ivoiriens comment demain pour parler aux Ivoiriens. Mais là, ton ami Blaise Goudé, tu as vu Blaise Goudé supporter Goïta? Tu as vu les représentants de Blaise Goudé au Mali? Vous n'avez pas honte? Donc, le président Ouattara, là, toi, tu as fait un coup d'État, mutinerie, le tuer. Lui n'a qu'à te regarder, quoi. Il n'a qu'à te regarder. Donc, parce que tu as été dévoilé, démasqué, tu soutiens un pays pour humilier ton pays, la Côte d'Ivoire. Des soldats militaires qui demain, si toi tu étais président là, ça fouille. Si tu étais président demain, ces mêmes soldats là allaient te protéger. Ces mêmes soldats là allaient se mettre sur ta coupole, à tes ordres. Mais voilà les soldats là qui sont en prison. L'État c'est une continuité. L'État est une continuité, mais tu humilies ces soldats. Ces soldats là, tu craches sur eux. Tu t'en consolides, Assimi Goïta, dans sa quête de montrer effectivement qu'il est trop fort. C'est lui le Django. Pourtant, il n'est rien. Il n'est rien. Donc, vous me faites pitié, Guillaume Soro. Mais c'est bien. Toi, franchement, c'est fini. Les Ivoiriens ont compris qui tu es. Donc, ces gens-là qui ont faim, qui bénéficient des recettes de tes grosses bières, parce que la Côte d'Ivoire ne taraude pas autour de tes grosses bières. Tu es un vendeur de grosses bières. Nous, on s'en fout de grosses bières. D'ailleurs, Dieu n'aime pas qu'on vende grosses bières. Tu as compris? Toi, la Côte d'Ivoire ne t'arrote pas, ne gravite pas autour de ta grosse bière. Donc, ceux qui ont envie de profiter de ta grosse bière là, et qui te soutiennent dans ta bêtise, parce que tu l'as fait au nom de tes convictions politiques, parce que ce n'est pas Adou Richard. Même pour la question de Yoné Sulo, arrêtez de mentir. Tu as laissé Yoné Sulo prester. Tu as compris? Il ne faut pas venir nous distraire ici. Alors, j'allais te dire une chose, tu as une honte pour la Côte d'Ivoire. Et tu nous as montré ton vrai visage, un visage pathétique. Un visage d'un petit homme. C'est ça la réalité. Tu as compris? Même quand on a été Louba à Memos, frère, on s'est fait la part des choses. Ahmed Bakayoko, là. Ahmed Bakayoko, tu as été d'un grand soutien. Donc tu peux penser au moins à Ahmed Bakayoko. Tu as compris? Tu pourrais penser au moins à Ahmed Bakayoko. Et puis, réagir. Mais regarde comment tu as agi. Tu penses que Ahmed Bakayoko, là, aujourd'hui, il regrette votre amitié. Ben, tu as trahi cette amitié, tu as trahi la Côte d'Ivoire. Tu es un traître, c'est ça la réalité. Et je te dirai toujours que tu es un traître. Parce que traître tu es et traître tu resteras. Tu es patriote des circonstances. Vous avez quoi à dire au peuple de Côte d'Ivoire? Alors, chers camarades, j'aimerais demander encore à toute la population de Boaké. Vous avez le camarade, comment on appelle ça? Moi, il l'appelle Big Joe, parce que c'est mon ami. Il est aujourd'hui à Boaké, il organise un grand événement à Boaké pour demander la libération de nos militaires. Alors j'ai fait jouer sa vidéo ici et que tous les Ivoiriens de Boaké, tous les militants, en tout cas, tous les militants de la patrie, parce qu'il faut être pro-patrie, voilà. Et même les acteurs de la CEDEAO qui vivent sur le territoire ivoirien, tous les comment on appelle, citoyens de la CEDEAO, venez avec nous à Boaké pour dire au Mali qu'on ne fait pas ça à son frère. Pour dire au Mali qu'on est un. Pour dire au Mali qu'on vient de très loin. Pensez à tout ce qu'on vous a donné et libérez nos soldats. Chers camarades, suivez-moi cette vidéo-là. Chers camarades, suivez ça rapidement. La brigade de Boaké, juste dans notre dos. Et nous sommes là pour sensibiliser
les Africains, surtout les Ivoiriens et les Maliens, et demander à la jeune de regarder cet acte fort, le rassemblement des enfants de l'Afrique et libérer nos 49 soldats. Boaké, nous sommes là. Et que tous se mobilisent sur cette place-là pour dire non, on veut la paix, on veut l'union, la cohésion sociale. On veut marcher des mêmes pas avec nos frères maliens. On n'a pas besoin de parler. Je suis trop joint du Mandé. Voilà. Voilà. Donc, toute la population de Boaké, voilà. Toute la population. Attends, il va laisser l'autre parler aussi. Il va le laisser parler aussi. Voilà. Un instant. Je le laisse parler aussi. Depuis hier, nous avons une mission pour organiser donc cet état de Boaké. Boaké est prêt à nous recevoir. Boaké est prêt à nous écouter. Boaké est dans la symbiose. Boaké pour la Samatra. Boaké pour la libération des 49. Boaké pour la cohésion. Boaké pour la fraternité. Boaké pour la cohésion sous-régionale. Boaké parce que la capitale donc de l'Afrique de l'Ouest, avec un fort taux de représentation de nos frères de la CDAO à Boaké. Le message tout à l'heure à Boaké. C'est la place d'Arès à la Malé Ivoirée. Voilà, donc vous connaissez la place. Il faut converger massivement la population de Boaké. Sortez comme un seul homme pour dire non à ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Alors portez-vous bien. C'était le camarade Johnny Pacheco, Antonio. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse nos deux peuples, le peuple malien et le peuple ivoirien. Et que Dieu touche le cœur d'Assimi Goïta, même s'il est rebelle. Et que son cœur là soit plein de sagesse et qu'il libère nos soldats. Alors portez-vous bien. Et puis bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao.